penalty de Butel, très bien anticipé, qui va vite relancer parce qu'il a vu. Et oui, en effet, ils sont à égalité numérique avec Pape Meïssaba et Moussa Niel. Damien Durand qui va essayer d'aller aider, mais il y a eu le repli défensif du côté du FCBB. Ça n'empêche qu'Hassem Benali est désormais dans cette surface de réparation. La bonne sortie à Sheridan qui a bien suivi le 6ème but du géant sénégalais. Il est incroyable cet homme, le capitaine qui donne l'exemple et il ouvre la marque pour le restant en 1-0 au bout de 27 minutes de jeu. Sur la chaîne du championnat national sur YouTube. Ouais, elle est partout, FF TV et championnat national sur Facebook. Oh, attention, oh, attention, oh, il a devancé. Bah voici, excusez-moi, Bassouamina qui a devancé eh bien, Butel sur sa sortie et qui vient égaliser. Il a refait le coup de la semaine dernière. Il nous avait offert une très très belle bicyclette. Cette fois-ci, c'est de la tête, c'est tout aussi efficace. Et ça fait désormais un but partout pour le FCBB. La concentration pour Julien Andiani avec, vous l'avez dit, ce pied droit toujours bien réglé. Oh, le but! Oh, il est incroyable, ce petit maestro qui vient de nous offrir l'un des plus beaux buts de cette saison 2021-2022. Vous l'avez dit, méfiez-vous du pied de Julien Andiani, le pire long de ce championnat national. Il a fait parler la poudre et il nous a offert un bijou dans cette soirée au Stade Bauer. 36ème minute de jeu, le FC Bastia Bongo qui repasse devant 2-1 désormais. Il n'y aura pas eu de temps de répit sur ce premier acte entre Bastia et Odonien. S'appuyé sur Nissan Ritti, Sheridan, la prise de balle juste devant la juge. Il a fait la différence, il va les toucher. Et Damien Durand des décès sur le côté gauche. Damien Durand passe à Doumbia, il a pu centrer. La sortie, oh le but, la sortie et bien de Valijon et cette tête de Sheridan. Le doublé pour le Sénégal à 107ème but cette saison. Il remet le Red Star dans le Morail. Attention, ça peut donner des ailes à ce Red Star FC avec Damien Durand toujours sur ce côté gauche. Le centre vers Aurel Maes en deux temps qui va aller redonner l'avantage aux Odoniens. Son deuxième but de cette saison, le coaching gagnant aussi pour Abi Bey. Ce match bascule dans la folie. Directement national, attention aux œuvres de cet homme. Des décès de Damien Durand qui a ouvert son pied pour essayer d'aller trouver Owen Maes. C'est chose faite. Owen Maes qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Et la tête d'Hassem Benali qui va venir parachever le score. 4-2, la cabane est peut-être tombée sur le chien. Peut-être le but du break pour le Red Star avec cet avantage de plus d'un. Et même s'il avait joué 20 minutes. Il faut dire qu'il a, ouais, il a fait basculer ce match. Lui aussi peut-être. Oh, Moussa Niel. Oh, le festival Moussa Niel et pénalty pour le Red Star. Bien sûr qu'il y a pénalty pour les Odoniens. Moussa Niel. Oh, la chevauchée fantastique. Ce briseur de ligne. Red Star sur pénalty face à Valijon. Il a une nouvelle occasion. Pape Meïssaba. Le contre-pied parfait. 5-3. 1-2 pardon pour le Red Star. Et Pape Meïssaba qui ajoute une unité. Un compteur déjà bien fourni, sa 14ème réalisation, il égalise en tête du classement des buteurs